divergence dans la aqida. Mais bien sûr qu'il y a des divergences dans la aqida, c'est évident. Il y a des divergences dans la aqida au niveau de certains piliers et des divergences au niveau de choses secondaires. Déjà autant des compagnons. Hein, la question de est-ce que le prophète alayhi salam il a vu Dieu oui ou non le jour de l'ascension. Certains sahaba disent qu'il l'a vu, d'autres disent non. Et alors? Et alors? Qui a raison, qui a tort? C'est une affaire, une question secondaire. Le sirat, il est où? Avant le paradis? Après le paradis? D'ailleurs, est-ce qu'il existe réellement? Vous entendez? Le Mahdi, est-ce qu'il existe réellement? C'est une question de aqida? Très bien. Elle est secondaire? Évidemment. Peut-être même qu'elle ne fait même pas partie de la aqida, c'est de l'histoire. Il y a des questions de aqida sur lesquelles les savants ne sont pas d'accord. Ils divergent parce que c'est toujours sujet à l'interprétation. La question des attributs divins. Est-ce qu'on doit les interpréter, oui ou non? Deux madhab, celui des salaf et des khalaf. Les littéralistes et ceux qui quoi? Qui considèrent que non, il y a des métaphores, il y a des images dans le Coran. Et ça a toujours existé et ça continuera toujours à exister. On s'entend sur l'essentiel, c'est suffisant.